Si jamais je poignais petit garçon qui a gavroché des œufs sur ma maison à la louve, voici ce que je vais lui faire. Je vais lui couper sa main, je vais la causer et puis la marier. Je vais élever son enfant pendant 20 ans comme si c'était le mien. Je vais lui apprendre les vertus de l'économie, l'entourage et s'acheter une maison à 300 000 dans le bout de la Valtrie. Pendant ce temps-là, je vais avoir secrètement élevé une ferme de 4000 poules, garder la production complète de toutes leurs œufs dans un camion. Puis le jour de sa pendaison de crémaillère, je vais galocher mes œufs sur sa porte de galage qui était fraîchement peinturée. J'suis un peu racunier, faites-moi pas chier. Si jamais je pogne le goût qui a tout changé, la température sur tous les thermostats électroniques de ma maison, je déménage dans un volcan en ébullition, puis j'y installe 350 machines d'air climatisé. Il va être bien contaminé aussitôt qu'il va les essayer. Il va se rendre compte que c'était juste des calories fardéquisées. Cher buradinier, faites-moi pas chier. Si jamais je rencontre encore le gars qui m'a dépassé dans la file d'attente, je te jure qu'il va payer parce que je vais m'enlever pour me partir un organisme à but non lucratif. Je vais organiser un show bénéfice pour recueillir des dons. Je vais aider des sons pour préférer, puis je vais donner des billets gratuits à ses amis, sa famille, puis à tout le monde qui le connaît. Je vais quand même être gentil, je vais l'inviter, mais je vais m'organiser pour qu'il soit avant-dernier dans la file d'attente pour le concert. Puis juste avant qu'il rentre dans la salle à la dernière minute, je vais lui taper sur l'épaule pour qu'il se retourne. Je vais y briser les jambes. Chaque racunier, faites-moi pas chier.